Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré qu'un soldat de la RPDC avait fait défection en traversant la zone démilitarisée très surveillée qui divise la péninsule. Jeudi matin, des soldats sud-coréens ont tiré environ 20 coups de feu d'avertissement pour décourager les soldats du nord de s'approcher de la frontière après le passage du soldat. Le porte-parole Ro Jae-chun a déclaré que l'armée de la RPDC n'avait montré aucune activité suspecte quand le soldat est arrivé au poste de garde sud-coréen. Ce soldat est le quatrième à avoir fait défection via la frontière terrestre.